L'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion pour demander au gouvernement fédéral de fournir à Radio-Canada les moyens nécessaires afin qu'elle puisse assumer son mandat. Les élus du Québec réitèrent la pertinence d'un diffuseur public francophone fort et l'importance de l'information régionale. Radio-Canada est au cœur de la culture québécoise et canadienne. Le gouvernement conservateur ne peut ignorer cette résolution unanime, ni même la motion qu'on a déposée au comité hier pour étudier la liquidation des actifs de Radio-Canada, comme le costumier et la tour à Montréal. Le dimanche 16 novembre, c'est la population qui s'est mobilisée dans la rue, et maintenant c'est toute l'Assemblée nationale. Tout ministre du patrimoine se réjouirait de voir tant d'attachement à notre diffuseur public. Mais au lieu de ça, la députée de Saint-Boniface, elle persiste à penser qu'elle est encore la secrétaire parlementaire aux finances. C'est une vraie honte. J'appelle maintenant la ministre du patrimoine à se lever et se tenir debout pour CBC Radio-Canada. Bravo! Et...